Bonjour, je vais vous présenter des kits pour faire de l'électricité à partir de panneaux de cellules solaires, d'éthanol ou d'éolien, du vent, avec des réservoirs à hydrogène. Donc le principe, c'est que je vais vous montrer le, comment dire, ça c'est le CD d'installation. Donc le manuel est en anglais, mais le CD est en français. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un truc bidonné, c'est vraiment du sérieux quoi. Donc voilà, on a le montage de l'éolienne. On a le montage de l'éolienne. Là, on va avoir une pile à combustible. Donc la pile à combustible, c'est que à partir d'électricité, on va mettre de l'eau distillée, hein, de l'eau pure, et on va la diviser en hydrogène d'un côté, d'oxygène qui compose l'eau. Et quand on aura nos réservoirs remplis d'hydrogène et d'oxygène, quand il n'y aura plus d'électricité qui fera tourner l'éolienne, ça nous servira de batterie et ça actionnera un moteur. Donc je vais vous présenter. Donc là, le kit, je l'ai juste déballé, mais c'est entièrement neuf. Je l'ai acheté chez Selectronic, qui est une boutique d'électronique qui a fermé. Qui a fait un bradage de kit, et j'ai acheté le kit éolien, le kit solaire. Vous voyez, il est encore tout emballé. Le kit bioénergie, je viens de l'ouvrir. C'est pour faire de. C'est marrant, on peut faire de l'électricité à partir de bière, d'éthanol, de whisky, d'alcool à brûle, d'alcool à 90, de tout ce qu'on veut. Et donc là, je vais vous montrer. Souvent, il y en a qui font une découverte, c'est que l'électricité, c'est du magnétisme. 99% de l'électricité qu'on consomme, que ce soit dans les centrales nucléaires, dans les centrales à gaz, à charbon, le principe est toujours le même. Comme l'alternateur de votre voiture, on fait tourner un moteur qui peut être soit un réacteur nucléaire, qui génère de la vapeur, qui va faire tourner une turbine, qui va faire tourner un alternateur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a dessus notre corps de moteur d'éolien, de générateur. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, là on a un petit moteur à l'intérieur, hein, ce qu'on appelle un alternateur. Et donc quand il y a le vent qui tourne, il actionne. Donc ça peut être soit un moteur si on l'alimente, soit ça génère du courant si on le fait tourner. Donc là, je vais vous prendre un vieux multimètre à aiguille, parce qu'avec le multimètre digital, on voit pas trop les, comment dire, les digits. Donc là, je branche le plus sur le plus, le moins sur le moins. J'ai calibré mon voltmètre sur 2,5 volts. Et si je tourne, comme vous pouvez le voir, il va même plus loin que 2,5 volts. Hein, je tourne tranquillement, comme s'il y avait un peu de vent. Et comme vous pouvez le voir, l'aiguille bouge du voltmètre. Hein, donc, c'est vraiment pas bidonné du tout. Hein, c'est comme ça qu'une éolienne, une vraie éolienne fonctionne. Il y a les pales, hein, comme vous voyez là. Ça fait tourner l'alternateur. L'alternateur, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un aimant qui traverse une bobine et par induction génère du courant. Alors les experts en électricité me rectifieront si je dis des bêtises, mais le principe c'est ça. C'est comment dire, quand je dis 99% du courant, parce que le solaire, là je dois avoir une cellule solaire. Vous voyez à quoi ça ressemble, un panneau solaire. Si là je fais comment dire, si là je me mets là, un panneau solaire, il n'y a rien qui bouge. Alors je vais me mettre en dessous. Vous voyez, la cellule solaire, elle génère du courant uniquement sans mouvement. Mais si j'éteins ou si je me recule un peu, si je me sors de la lumière, boum, quand il n'y a plus de soleil, ça baisse. Je le ramène près de la lumière. Ça augmente. Je me mets dans le noir, il n'y a plus de courant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'hydrogène? C'est que on a un panneau solaire. Là, j'ai mon kit.
avec le panneau solaire, le kit avec éthanol. Qu'est-ce qu'on fait avec le panneau solaire? On produit de l'énergie quand il y a du soleil. Un nuage passe, il y a une chute de tension, comme vous avez pu voir sur le voltmètre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le maximum de courant quand il y a du soleil. On va alimenter ce qu'on a alimenté avec le panneau solaire. Et l'électricité en surplus, on va l'utiliser pour faire l'hydrogène, pour faire l'électrolyse de l'eau, pour séparer les deux composants de l'eau qui sont l'hydrogène et l'oxygène en gaz primaire. Et je vais faire pareil avec mon éolienne et avec mon éthanol. Donc voilà, vous savez, vous connaissez maintenant le principe. Hein, c'est vraiment, je vous conseille de faire une recherche sur Internet. La boîte s'appelle Horizon Fuel Cell Technology. Je pense que vous pourrez trouver sur YouTube ou sur Internet cette marque et vraiment vous intéresser, parce que ça, c'est vraiment, je dirais, c'est plus que l'avenir, parce que des voitures à hydrogène, ça existe déjà. Bon, maintenant, l'inconvénient de l'hydrogène par rapport à un moteur thermique à essence, c'est que quand on est perdu dans le désert, on ne prend pas un bidon et puis on cherche une station. Hein, donc on est coincé. Que l'avantage de l'essence, c'est que depuis 100 ans que le moteur, les voitures à essence fonctionnent, où qu'elles aillent, on a toujours, on tombe en panne d'essence, on prend un jerrycan, on va remplir du liquide, même si c'est inflammable ou autre, qu'on va remplir un bidon à la pompe, tout ça, qu'un gaz comme l'hydrogène, c'est difficilement manipulable. Donc voilà le principe. Donc les voitures à hydrogène existent déjà. Maintenant, il y a des gens qui mettent au point des piles à combustible qui ont un meilleur rendement. Et je vais vous montrer le clou de l'astuce, c'est ça. C'est une pile à combustible. Donc là, j'aurai mon plus. On met le fil plus ici, du côté de l'oxygène. La masse du côté de l'hydrogène. Par là, on va injecter avec une seringue de l'eau distillée dans la pile à combustible. Et là, j'aurai un tuyau qui sortira, qui remplira la réserve d'oxygène. Et de l'autre, un tuyau qui sortira et je remplirai ma réserve d'hydrogène. Donc voilà le clou. Alors moi, le phénomène de l'électrolyse, ça fait très longtemps, j'ai appris ça en 6e à l'école. Ça fait très longtemps que je l'ai appris. Seulement, c'est vraiment la première fois de ma vie que je vois que je tiens une pile à combustible comme ça dans les mains. Et c'est des kits que j'ai eu à moitié prix. Donc vraiment, ils avaient ça sur leur site internet, ils avaient une boutique à Paris à Nation. Et vraiment, comment dire, je pense qu'aujourd'hui le site internet n'existe plus, la boutique n'existe plus, mais j'ai trouvé sur internet Horizon, ça existe toujours. Vous pourrez vous en procurer, bon, à prix fort, mais vraiment c'est un kit, je pense qu'il faut s'acheter, peut-être pas les trois, mais au moins un des trois pour vraiment s'amuser, quoi. Pour l'instant, je ne les ai pas fait fonctionner. Ça fait un peu peur de... Il faut savoir que l'hydrogène est inflammable. Hein, l'hydrogène, donc H2O, la formule de l'eau. Qu'est-ce que c'est un hydrocarbure? L'essence, HC, hydrocarbure, hydrogène et carbone. L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Les hydrocarbures, c'est de l'hydrogène et du carbone. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a de l'hydrogène et de l'oxygène qui se combinent, ça donne de l'eau, de la vapeur d'eau. Alors que quand on a de l'hydrogène et du carbone qui se combinent, ça donne de la vapeur d'eau et du CO2. Hein, donc il y a un gaz à effet de serre qui empoisonne la planète. Et c'est pour ça qu'on veut réduire les effets de... les gaz à effet de serre, la grande majorité, viennent du carburant dans les voitures, des centrales à charbon ou à gaz qui tournent à plein régime en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, qui veulent plus de nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gaz à effet de serre? Bon, bah, il y a les avions, mais ça représente... les avions représentent que 2% des émissions
10 fois moins que les ruminants. Hein. Donc une vache, quand elle pète, elle émet du CO2. Il y a quoi? Il y a la sidérurgie pour faire de l'acier. On utilise du charbon et du minerai de fer. Il y a des quantités astronomiques de charbon qui sont dépensées. Et avec l'électricité, on peut à peu près tout faire. On peut faire. On comprend qu'on fait l'électrolyse de l'eau, on sépare l'hydrogène de l'oxygène, et ben avec de l'électricité, c'est comme ça qu'est fait l'aluminium à partir de bauxite, par électrolyse. On met une sonde avec de l'aluminium, on met je dirais pour caricaturer, on met de la terre qui contient la bauxite, l'alumine, dans une piscine. Par l'électricité va attirer l'aluminium et on va comme ça créer un métal. Et ce qui est valable pour l'aluminium l'est pour tous les minerais. C'est-à-dire qu'on peut imaginer faire de l'or, on prend une pelleteuse, on met des pelletées de terre et on pourrait imaginer des électrolytes avec une sonde de cuivre, une sonde d'or, une sonde de fer et chaque métaux irait se greffer sur l'électrolyte qui contient son corps natif, avec comment dire, un repère de fer normal, quoi. Donc un prof de physique vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi, là je dois dire plein de bêtises, mais en fait c'est pour vous présenter ça qui n'est absolument pas le genre de choses qu'on peut trouver sur Internet, qu'on fait l'électricité en mettant deux aimants, et que grâce à un moteur, on va à un moteur de, comment dire, pas plus gros que ça, on va alimenter le four à micro-ondes et puis la cuisinière. Avec ça, vous ne ferez pas tourner votre cuisinière, hein. Vous allez allumer une LED, une lampe, mais rien d'autre. Donc voilà, c'était un essai.